Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais retester, enfin tester tout court en fait, le pack dans la jungle des Sims 4. Il faut savoir que quand il est sorti, bah j'étais toute excitée et en fait je n'ai jamais testé ce pack. Et c'est pas des bêtises. Alors vraiment, je n'ai jamais testé ce pack. Je suis jamais allée jusqu'au bout de l'expédition, vous savez, il y a les araignées, les trucs comme ça, parce que bah j'ai jamais testé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc au lieu de le faire toute seule, bah écoutez, j'ai décidé de le faire avec vous et on va voir si on peut redécouvrir des choses bien des années après la sortie de ce pack. Trêve de blabla. C'est parti. Ok, donc comme vous le voyez, je suis avec ma petite Simself Marie-Sarah et je m'apprête à prendre des petites vacances, évidemment, à Selva Dorada. Donc on nous dit qu'on peut explorer la jungle, qu'il y a un temple secret, qu'on peut y trouver des objets anciens. Clairement, je n'ai jamais testé. Mais dites-moi en commentaire, je suis sûre, il y en a, ils n'ont pas testé non plus. Genre vraiment, moi j'allais juste pour prendre des vacances et tout, mais j'allais jamais dans les temples et tout. Genre vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ok, je pense que je vais prendre un petit truc de location, genre ça, voilà, c'est petit. Ah mais des bestioles, j'aime pas les bestioles. Ah non. Là c'est quoi? Oh, c'est trop grand pour moi. Bon, venez, on va là où il y a les bestioles. De toute façon, je vais être là pour explorer. Je vais rester 7 jours. Et on va être tout le temps en train d'explorer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais même pas si ça prend du temps. Je sais même pas si c'est rapide. J'en sais rien. Ok, me voici dans ma petite location. Jour de l'amour, c'est pas du tout dans nos priorités. Alors, ok, on nous dit qu'il faut acheter des trucs au marché si on va dans la jungle. Ah, d'accord. Bah, je pense qu'on va aller. Ouais, on va aller acheter des objets dans la, pour aller dans la jungle. J'arrive plus à parler. Je suis toute excitée. Je suis émue, j'ai peur. Il est où le marché là? Il est là? C'est ça le marché? Bah écoutez, je pense que c'est là ou c'est là. Bon, j'en sais rien. Bon, ça doit être ici, ils ont dû le mettre ici. J'ai tellement peu à Selva Dorada que je sais même pas de quoi il me parle. Le marché, tout ça, je sais pas. Ok, je crois que j'ai vu des étals. J'ai vu des étals quelque part. Ah, bah voilà, c'est ici. Ah, mais il y a Kungugus. Mais... Non mais il fait juste à manger lui, je comprends pas. Oh, ils vont peut-être venir plus tard, je pense. Ils vont peut-être venir plus tard. Non parce que, à ce que j'ai compris, je ne peux pas partir dans la jungle sans ces objets-là. Enfin, c'est ce que j'ai, capitché moi. Bon, je suis en train de parler à une petite madame. Ok, mais moi ça m'aide pas plus que ça. Ah, il y a quelqu'un qui arrive ici. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ah, je vois des choses. Je vois des choses. Ok. Se renseigner sur les nouveautés, marchander, acheter des produits secrets. What? Ok. Alors, voyons tout ce que c'est. Énergie liquide. Ah, je pense qu'en fait, c'est pour pas s'endormir. Ok, archéologie. Qu'est-ce que c'est tout ça, là? Lanterne. Ah, je sais pas si on a besoin d'une lanterne, hein. Mini sac de couchage, sac de couchage. Oh là là. Mais y a que ça? Mais non, y a pas que ça. Mais non, mais moi, je veux l'énergie liquide, là. Comment on fait? La machette et tout, je veux ça, moi. Acheter machette. Ah, voilà. Ça, je vais acheter tout ça. En fait, il suffisait de cliquer dessus, hein. Mais je vais lui acheter tout. Je vais rien laisser aux autres, hein. Laissez-moi explorer la jungle toute seule. Ok, là, j'ai tout acheté. Ah, ben là, il y en a encore, il y en a encore. Je vais racheter une machette. Je sais pas si, si elle s'abîme ou quoi, l'autre. Bon, on n'est pas dans Minecraft, mais j'ai un peu peur. Ok, j'ai tout acheté. Je me suis pas embêtée. Voilà, j'ai tout acheté. J'ai fait des heureux, au moins. Ok, j'ai quoi, du coup, dans mon inventaire? J'ai 8 énergies liquides, 8... c'est quoi? Instincteur de luciole de Drake? Qu'est-ce qu'il va faire là, Drake? Et ça, c'est quoi? Répulsif anti-araignée. J'en ai qu'un, d'accord? Donc, faut faire attention. Bon, d'accord. Alors, comment on fait maintenant pour explorer la jungle? J'ai vraiment envie de faire toute seule, de pas aller voir sur Internet. Vraiment, je veux le faire toute seule, d'accord? Alors, ça, c'est quoi? Il y a des petits points d'interrogation, mais comment je fais pour y aller? Peut-être qu'il faut commencer par ici... Et il y aura un chemin. Oh, je sais pas du tout. Je pense qu'il faut commencer par là. En fait, je sais pas. Je vous dis, j'ai jamais fait. Donc, si je trouve pas, j'irai voir sur Google. Google est notre ami. Ok, je pense qu'il y a une sorte de passage, non? Comme dans... Ah bah non, je trouve pas. Attendez. Si, si. Bah si, voilà. Ici. Se frayer un chemin à la machette. Eh bah, c'est parti. On commence. Tu marches très sereinement pour quelqu'un qui va dans la jungle, là, je trouve. Hein. Attendez, attendez. Je vais lire d'abord ça, parce que là, ça m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce mot? En cas d'empoisonnement, veuillez vous adresser aux Sims locaux pour obtenir un antidote. Ok, mais j'en ai pas acheté de l'antidote. Eh, ça me fait peur, vas-y, je suis énervée là déjà. Ok, creuse. Enfin, coupe. Ça, je peux pas l'embarquer avec moi? Non, je peux pas l'embarquer avec moi. D'accord. Ok, elle a fini. Ah, elle a disparu. Bon, ça, c'est dommage, c'est des rabbit holes. Ça, je le savais. Ok, le cabillet et les abeilles. En se frayant un chemin dans la jungle, Marissa tombe sur un petit groupe de cabillets près d'un point d'eau. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. En les observant, elle s'aperçoit qu'un énorme essaim d'abeilles s'approche de l'un d'entre eux. Oh my god. Les cabillets ne semblent pas avoir vu ce danger imminent. Que doit faire Marissa? Oh! Attendre la suite, faire partir les abeilles. Oh! Bah, attendre la suite, parce que ça, clairement, je vais me faire piquer, je le sens bien. Oh non! Marissa ne veut pas faire peur aux gentils animaux et décide donc d'attendre la suite. Le cabillet s'approche de l'essaim d'abeilles, mais ne semble pas trop dérangé par leur bourdonnement. Marissa, alors une très mauvaise surprise, l'essaim se dirige vers elle et l'attaque. Non! Non, mais je vais mourir déjà, là! Mais je suis sortie par où? Eh! Mais je suis où, là? Non, 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 il faut que j'y retourne. Mais comment je fais, maintenant? Mais attendez, mais je comprends pas. Ah, ok, il faut que j'aille là-bas. C'est quoi, ça? Ce chemin est fermé, il ne peut pas être ouvert pendant ce voyage? Mais comment ça, ça peut pas être ouvert pendant ce voyage? Je comprends pas.
Ah, je dois peut-être aller là-bas. Non? Je sais pas, je comprends rien. Ah, c'est peut-être là. Ok, d'accord. Ok, wow. Mais du coup, pourquoi ça s'est pas ouvert? Je comprends pas, je comprends rien. Vraiment, trop d'interrogations. Waouh, c'est beau ce spot, regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement, je suis jamais venue là, mais j'aurais dû venir, hein. C'est beau, c'est beau. Après, il faut avouer, Salvadorada, c'est quand même un beau monde. Regardez-moi ça. Je pense que c'est un des plus beaux mondes qu'ils aient fait, franchement. La vérité de la vérité, hein. Ok, petit coup de machette, Marissa, c'est parti. Mais quelle femme, vraiment. Par contre, pourquoi elle est enjôleuse, là? C'est pas du tout le moment, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on va avoir encore dans ce rabbit hole? J'ai peur. Oh! Des sables mouvants, bah ouais, normal. Marissa trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf! Dans les sables mouvants. Bah j'ai autant de chance dans ce jeu que dans la vraie vie quoi, c'est super. Marissa doit-elle tenter de le récupérer ou le laisser tomber? Laisser tomber, tenter de récupérer, utiliser la machette pour récupérer le sac. Ouais, on va utiliser la machette. Ok. La machette est d'une longueur parfaite pour atteindre le sac. Marissa glisse la machette dans la sangle et sort le sac des sables mouvants. En s'assurant que le sac est en sécurité, Marissa lâche maladroitement la machette dans les sables mouvants. Mais ou quoi? Non mais franchement, hein. Épuisée par tous ses efforts, Marissa se repose par terre, juste au-dessus d'une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Ah, bah c'est pas mal alors. J'ai gagné quoi? Ça, c'est quoi? Poudre isolante. Ça y est, les insectes. Bah ça c'est cool. Ok, donc je suis sortie par là. Où est l'autre? C'est là. Ah, il y a soit là, soit là. Oh, je sais pas. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera éliminé au bout de 3. 1, 2, 3. Ok. Oui, je sais, c'est pas ça le plouf, plouf. Je savais plus les paroles. Laissez-moi tranquille. C'est pareil, ça marche. Attends, il y avait un autre chemin là. Oh non mais écoutez, on a choisi celui-là, on prend celui-là. Je sais pas où est-ce qu'il va, celui-là, il a l'air un peu sombrax, mais c'est pas grave. Ok, c'est reparti. Elle commence à avoir faim, par contre, j'ai rien pris à bouffer. Je suis vraiment teubée, hein. Parce que énergie liquide. Ouais, non, ça la nourrit pas, ça. Purée, j'ai rien pris à manger. Je suis teubée. Marissa se ferait un chemin dans l'épaisse végétation de la jungle lorsqu'elle tombe sur un campement. C'est un endroit assez isolé et il semble y avoir personne à proximité, mais elle ne sait pas s'il est réellement abandonné. Marissa doit-elle y jeter un œil? Éviter le campement, observer silencieusement les alentours ou s'armer avec de la poudre isolante. Ouais, je vais faire ça. Marissa s'approche prudemment du campement armée de poudre isolante en guise de protection. Tout semble bien se passer. Marissa prend donc un objet ancien apparemment abandonné. Oh, trop bien, on l'a là, je le vois. Soudain, un sim a l'air dément. Hein? A l'air dément? Ah ok. Surgit et fonce sur elle. Marissa vaporise la poudre isolante sur le visage du sim fou et s'enfuit avec la récompense. Ouah, trop bien. Crâne omisquin non authentifié. Bah génial, c'est trop bien. Ok, là, j'arrive ici. Alors, comment faire? Oh, regardez. Ah, on va ouvrir le coffre au trésor. Mais c'est tout? J'ai gagné que ça? Mais c'est pourri. Ok, j'ai trouvé des coffres. Reliques et ça, chute d'eau en bouteille. D'accord. Mais c'est fini? Ou alors, c'était juste un petit passage? Oh, il y a un crocodile là-bas. C'est juste un petit passage et il faut que je retourne ici, en fait, je pense. Après, pour le moment, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que, en fait, le fait que ce soit des rabbit holes, c'est un peu genre, c'est un let's play, on va dire, plus narratif qu'autre chose. On voit rien qui se passe. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les packs où il y a une histoire. Par exemple, comme l'histoire là avec Strangerville. Bon, bof, tu vois. Et là, je trouve que le fait que ce soit que narratif, moi, je me fais vite chier, je sais pas vous. Heureusement qu'il y a mon humour légendaire. Non, je rigole. Oh, qu'est-ce qui se passe? Marissa se frayait un chemin dans l'épaisse détachant avec un peu trop d'enthousiasme, alors que sa machette lui a échappé des mains et a disparu pour toujours. Mais je crois que j'ai plusieurs machettes. J'ai bien fait d'en acheter plusieurs, hein, il m'en reste deux. La journée du football américain, je pense c'est pas du tout d'actualité, laissez-moi tranquille. Oh, mais ça, c'est la même chose. Bah, écoutez, on va pas y toucher, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Aller au bain royal au Misquin? Le prochain arrêt sur le chemin semble être une piscine naturelle. Il pourrait même s'agir des bains royaux au Misquin. Souhaitez-vous y aller? Bah ouais. Oh! J'ai trouvé un nouveau truc. C'est quoi ça? J'ai trouvé un nouvel endroit, on dirait. Oh! C'est un endroit. C'est trop bien. Et je peux me baigner dedans? Ah ouais. Bah pour peu qu'il y ait des crocodiles dedans là qui me bouffent, mais bon c'est pas grave. Je regarde s'il n'y a pas un coffre ou quelque chose, mais ça semble pas, hein, ça semble pas. S'il n'y a pas des trucs à récolter, ah là je peux creuser par exemple, voyons. On va voir si elle peut creuser, si c'est un truc un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos mondes habituels. Non mais regardez la beauté par contre. Regardez la beauté. Oh, j'en reviens pas. C'est vraiment trop beau, je suis désolée. Hein. Ah, mais ça, c'est un truc d'archéologie, ça. Hein. C'est pas un truc habituel, hein. C'est pas des trucs qu'on peut creuser à Oasis Springs ou... Ouais, ouais, c'est des trucs d'archéologie. J'ai hâte de voir ce que je vais choper. Un vase, d'accord, bon. Pourquoi pas. Hop, je vais me frayer un chemin. Je vous rappelle que j'ai un sac de j'ai pas acheté le sac de couchage. Ah non, j'ai les canettes, bon, ça va. Là, il commence à faire nuit. Je sais pas si ça craint plus la nuit ou... Ah, j'ai perdu ma machette. Ok, il m'en reste une. Wow. Ouais, je disais, je sais pas si ça craint plus la nuit que le jour. Oh non, mais encore. Ah non, c'est pas pareil. Excusez-moi, c'est juste la même image. Ah, le plus petit semble être un peu égratigné et perturbé. Ok, il est blessé. Donc, est-ce que je vais m'approcher pour le soigner? Je sais pas, si je m'approche, j'ai peur qu'il m'attaque. Mais j'ai jamais entendu qu'on pouvait mourir à cause de cabillé, alors je vais m'approcher. Ah, on m'a mordu le bras.
bras. La maman, elle m'a mordu le bras. Ah mince. Bon, bah, c'est pas grave. Ouah, c'est quoi cette lumière là? C'est la lumière divine ou quoi? Ça me fait peur. Hein. Ok, là, il y a un coffre. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est quoi? Tout récolter. Je vais récolter ça. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je suis bloquée là. Où est-ce que je vais après? Il n'y a pas d'endroit où aller. Ouais, donc il faudra que je rebrousse chemin, en fait. Ok, donc là, je suis là. Attendez. Purée, je sais pas me... Je sais plus où je suis. Non, j'y suis allée, là. Oh, je sais plus où je suis. Attends, refranchis ça pour voir où on arrive. Ok, d'accord. Faut que je revienne ici. En fait, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Ok, et là, voilà. Et là, c'est cette porte qu'il faut que je franchisse. Ok, wow, c'est dur, hein. Par contre, là, si j'ai plus de machette, après, ça va être compliqué, hein. Ok, ok, machette-moi ça, machette-moi ça. Let's go. Ah, c'est nouveau, ça. En avançant dans la jungle, Marissa entend du bruit. Elle lève la tête et voit un groupe de paresseux qui l'observe avec circonspection. Doit-elle chercher un autre chemin ou marcher avec les paresseux? Je sais que les paresseux, c'est dangereux dans la vraie vie, donc je vais prendre un autre chemin. Oh, non! Marissa recule doucement pour éviter les paresseux, mais c'est trop tard. Les paresseux ont détecté sa présence. Marissa décide donc de s'en aller rapidement. Même si la jungle est épaisse, elle aperçoit une petite ouverture dans la végétation par laquelle elle pourrait passer. Elle décide de foncer, mais dérange en chemin un groupe de chauves-souris. Ah bah oui, bien sûr. Marissa se fait griffer sur tout le corps par les mammifères volants en colère. Oh. Ah, on peut aller au temple! J'ai trouvé le temple! Ouais! Trop bien! Enfin, je crois que c'est la fin, non, de l'aventure. Enfin, je sais pas. Ah, on y est, ok. Bon, là, c'est le moment de manger des baies. Mange une baie de bonheur. Mange une baie de tout ce que tu veux, de romantique, de je sais pas quoi. Nourris-toi, en tout cas. Ok, ça la nourrit bien. Ça, c'est cool. Elle va se faire pipi dessus, c'est pas très grave. On a une bouteille pour la laver. Donc ça, c'est chouette. Oh, j'aurais peut-être pas dû manger les baies. Je suis sûre qu'on avait besoin d'un état d'esprit pour entrer dans les pièces. Je suis sûre c'est ça. Ah là là, je suis sûre il fallait ça. J'en suis pas certaine, mais je pense qu'ils ont voulu faire un délire comme ça. Ok, ça je l'ai bu, du coup je suis en forme, c'est ça? Ouais. Bon, elle se fait pipi dessus, on va la laver, c'est pas très grave. Pour pas qu'elle soit mal à l'aise. Ok, nickel, ça c'est trop bien. On va voir déjà ce qu'il y a dedans, écoutez, on verra bien. Wow, ok, il faut commencer par ici. Donc là déjà je vais creuser là. Après je vais où? Ah ben je vais en bas, je suis teubée. Même stress à être en maillot de bain, là. Elle s'en fout, en fait. Ça se trouve, elle sera attaquée par des squelettes, là, vivants, et elle va être là en mode... Elle est en maillot de bain, tranquille, elle est à la plage, vraiment. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Essayez de passer. Vous allez voir qu'il faut avoir un certain état d'esprit, j'en suis sûre. Et moi, j'ai tout bouffé comme une... Non, mais... Pff. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe quelque chose, là. Ah non, c'est pas ça. Non, mais ça va, une tête de chat... Non, non, qu'est-ce que c'est? J'ai peur. T'es qui, monsieur? Mais c'est qui ça? Mais tu sors d'où? T'es méchant? Ou t'es gentil? Ah d'accord, ben... Bon, ben, parle à un squelette. J'ai eu trop peur. Faut désactiver la force, enfin le champ de force du temple. Marissa voit une tête de chat en haut d'une relique ancienne. Je comprends pas ce qu'elle dit. Ah, c'est peut-être ça. Activer. Ouh là 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 là. Je vais rien comprendre. Alors là, je vais rien comprendre, les gars, d'accord? Examiner. Je vais rien comprendre. Je suis trop nulle dans les trucs comme ça, d'accord? Les énigmes qu'il y a dans les jeux vidéo, c'est vraiment pas pour moi. Mais je vais essayer de me dépasser pour vous. Je pense qu'il faut les aligner, tout simplement. C'est comme au casino, hein. Ça doit être ça, hein. En vrai. C'est les Sims, c'est pas non plus un jeu bien compliqué. Alors attendez, on va essayer de faire ça. C'est quoi, ça? Pourquoi ça fait ça? Non, ça marche pas. Un essaim d'abeilles fonce sur Marissa? Mais non, pourquoi? Oh! Mais pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Il peut pas m'aider, lui. Non, attendez, là, j'étais pas trop dans le truc. J'essaie de comprendre. Ah, ok, faut juste essayer. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer tous, hein. Ça a marché, ça? Yeah! Trop bien. Et de l'autre côté, y a rien? Ah, de l'autre côté, y'a... Qu'est-ce que c'est, ça? D'accord. Bon, pourquoi pas. En bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a une porte, encore. Une porte de feu. Et là, il y a des trucs activés... Ouais, bon, on va essayer d'activer ça. Arrête de parler à ce squelette, oh, à moins qu'ils connaissent la réponse, je sais pas. Ah oui, il descend avec nous. Il va nous aider ou quoi? Ah, il nous suit vraiment. Hein. Oh non, je vais pas mourir comme ça. Non mais éteins-toi, éteins-toi, fieu, éteins-toi. Bon, d'accord, activé, on va essayer de faire ça. Ça marche pas, je comprends pas. Bah, c'était celle-là, alors j'ai pas eu de chance cette fois-ci. Bah non, c'est pas ça! Bah, les gars, bah là, je comprends rien, là. Je comprends pas comment on fait... Ah, et ça, c'est quoi? Non, 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 non! J'ai mis accusé, je sais pas quoi. Complimenter les sculptures. Vas-y, on va complimenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il faut faire, là, les gars, je vous jure. Je suis en train de l'insulter et tout, je comprends rien ce que je fais. Insulter la pierre qui s'écroule. D'accord. Bon, fallait l'insulter. J'ai rien compris, hein. Par contre, là, je vais vraiment pas bien. Mange plein de baies, ma reine. Vraiment. Bois ça. Voilà, là, elle va être beaucoup mieux. Il lui manque de l'hygiène, mais bon, c'est pas très grave. On va creuser ça. Et ça, je vais activer, voir. Mais c'est super compliqué, je trouve. Bon, est-ce que ça va marcher, ça? Parce que là, il y a encore un gugus bizarre. Alors, je sais pas lequel activer, en fait.
Mais elle prend toujours feu en plus, la pauvre. Et... Mais je me fais que attaquer. Bon, bah, c'est déjà pas ça qu'il faut activer. Ça, je vais l'activer. Je vais essayer. Je comprends rien. Ça m'a pété à la tronchasse. Super, je me fais pipi dessus en plus. C'est pas ça. J'essaye un peu tout. J'arrive vraiment pas, les gars. Regardez, il y a rien qui marche. Bah. What? Ah, et ça, c'est quoi? Activer. Ah, faut peut-être activer avec ça alors. Ah, c'est bon, ok. Il fallait activer avec le squelette. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est très compliqué, hein. Ça me fait un peu penser finalement aux Sims 3, Destination Nature. Nature, pas du tout. C'est quoi ça? Ouvrir le coffre au trésor. Ok. Ah, c'est tout? Non, arrêtez. J'ai fini là? Mais c'est choquant! C'est choquant! Non, mais d'où? Là, j'ai fini l'histoire là. Exploration du temple terminée. Marissa a trouvé le trésor ultime du temple. C'était 2000 Simflouz. Elle devrait examiner les lieux pour tenter de faire d'autres découvertes avant de s'en aller. Ah ouais? D'accord. Bah alors là, je suis sur le popotin. Vraiment. Ah, ok. Et là, on a une grenouille qui vaut quand même 10 000. D'accord, ok. Bah, je suis choquée, les gars. C'est pas fameux, hein. Franchement, c'est pas fameux du tout, hein. Parce que je me souviens, du coup, comme on en parlait, dans les Sims 3, quand on allait en Égypte et qu'on fouillait les temples, etc., il y avait beaucoup plus d'action. Enfin, là, je me suis fait cramer 2-3 fois. Froid? Non, pas du tout. Le feu, c'est chaud. Oh là, je m'égare, vraiment je m'égare. Ouais, je me suis fait cramer, je me suis fait attaquer par des chauves-souris. Il y avait un petit anti-araignée, il y a pas eu d'araignée. Enfin, je trouve que ça manque beaucoup d'action. Et on a fini ça vraiment en, je sais pas, je viens d'aller voir, on a fini ça en 20 minutes. En 20 minutes, on a fait le tour de l'exploration de la jungle et du temple. Bon, après, j'imagine que j'ai loupé beaucoup de choses, hein, je suis d'accord. La compétence archéologie, etc., je pense qu'on peut plus la pousser, hein. Là, j'ai rien fait du tout. Mais aller jusqu'au bout du temple... C'est juste pour avoir un pauvre coffre comme ça. Je trouve pas ça incroyable, hein, franchement. Hein. Parce que là, ouais, on vient de tout là-haut, ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, il y a des décorations de Noël sur le temple. Bref, j'ai pas compris. Mais j'imagine que j'ai loupé quand même beaucoup de choses aux alentours. Et encore, quand je regarde, j'ai pas trop l'impression. Franchement, j'ai pas trop l'impression. Et je suis un peu déçue que ce soit ça le coffre final. Je suis un peu circonspecte. Voilà. Comme les paresseux de tout à l'heure. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Donc écoutez, voilà, j'aurais aimé que cette vidéo dure plus longtemps, qu'on trouve plus de choses à découvrir, etc. Mais on peut speedrunner le temple du pack de la jungle en 20 minutes et on l'a déjà terminé. Mon seul souci avec ce let's play, etc., qu'on nous a rajouté, c'est que j'ai peur que ce soit toujours la même chose. Admettons, là, j'aurais recommencé à explorer le temple, je suis sûre qu'on aurait eu quelquefois les mêmes actions. Vous savez, avec les cabiais, avec les paresseux, avec le sac qui tombe dans les sables mouvants, j'ai l'impression que ça va être toujours la même chose. Donc au final, je maintiens ce que j'ai dit, le monde Selvadorada est pour moi le plus beau qui existe dans le monde des Sims 4, mais clairement le mode histoire n'était pas nécessaire et franchement je le referai pas. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà refait ou si ça vous arrive, voilà, de re-explorer la jungle, mais clairement moi... C'est finito pipoto. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !